Donc j'invite tous les habitants et les habitantes d'Occitanie à aller voter et à participer à cette convention citoyenne. Donc je suis Marie-Hélène Pillot, je suis co-coordinatrice de l'association Colibri et donc je travaille principalement sur deux projets. Un projet qui est l'Agora des Colibris, qui est un laboratoire citoyen qui consiste à mettre autour d'une table des personnes autour d'un sujet de société. Donc les personnes sont des chercheurs, des élus, des habitants, des porteurs de projets, et les inviter à répondre ensemble, à élaborer pardon, des propositions pour lever les verrous, les freins. Et puis le deuxième projet, c'est l'animation des communautés de colibris, donc les cotisants, les groupes locaux, et le lien avec les partenaires en local. Pour que notre système politique fonctionne mieux, il faudrait remettre en fait, les citoyens et les citoyennes au cœur de la politique. Et quand je dis politique, c'est au sens vie de la cité. L'idée, c'est que chacune des personnes habitant un territoire doivent se sentir habitées, appartenir à ce territoire, dans le sens où ils sont acteurs de ce territoire et qu'ils puissent se sentir légitimes pour contribuer concrètement au développement et à l'évolution du territoire qu'ils habitent. Actuellement, dans le système politique qu'on vit, en fait, les citoyens, nous ne sommes vraiment jamais sollicités par nos élus. Généralement, on les voit quand c'est la période des élections, donc ils viennent un petit peu nous draguer pour avoir des voix. Mais ensuite, il y a plus de contact entre les sphères politiques, dans le sens politicienne, et les habitants. Et je pense qu'il manque des espaces de consultation, de concertation, où la population pourrait venir contribuer sur ces sujets, des sujets qui soient, que ce soit des sujets sensibles ou non de la vie de leur commune, de leur village, de leur ville ou même de leur quartier. Et quand je dis que je propose des espaces de concertation, ce n'est pas des espaces de type référendum où on pose une question. Et puis finalement, selon comment la question est tournée, ben ça amène à un résultat, à une réponse qui est celle attendue par ceux qui ont posé la question. Le format de démocratie représentative qu'on vit à l'heure actuelle pourrait inclure ce type d'espace, pourrait inclure des espaces de liens, d'échanges, de discussions. Ils ne le font pas. Tout simplement, pourquoi ? Ben, parce que ça voudrait dire qu'en tant qu'élu, il faudrait être à l'écoute de ses habitants, être en capacité de pouvoir entendre des arguments, enfin des contre-arguments sur les propositions et s'entendre dire non. Et ça demande aussi un changement de posture, un travail personnel sur nos égos. Voilà, donc oui, la démarche démocratie participative, pour moi, est importante. Et on l'a vu, ça fonctionne dans certaines communes, dans certaines villes, comme à Saillant, comme à Kunershine. Ça fonctionne même dans des organisations. On peut faire le parallèle entre démarche et démocratie participative dans les communes et dans les organisations, et on obtient des résultats positifs. Donc pour moi, il faut étendre ce schéma de fonctionnement. Et il y a des métiers, des personnes et des structures dont c'est le cœur de métier, de former à la démocratie participative. De manière globale, la participation citoyenne, pour moi, doit être beaucoup plus proposée et utilisée en politique. Alors, il pourrait y avoir différentes formes, notamment si on prend la base du volontariat. Ça pourrait aussi être une autre proposition, tirage au sort, base du volontariat, mais il y a une différence en fait entre les deux. Moi, je suis moi-même bénévole sur le territoire dans l'Usège où j'habite, et on s'aperçoit que finalement, c'est toujours les mêmes personnes. C'est pas négatif quand je le dis, mais nous sommes toujours les mêmes à venir contribuer, à être force de proposition, à être impliqués dans les réseaux associatifs. Et finalement, si on regarde bien et qu'on fait une analyse, on est tous avec des profils, je dirais, un peu similaires. On fait partie de la même catégorie socio-professionnelle, on est des personnes qui sont en capacité de prendre la parole, de débattre, de contre-argumenter. Donc il y a des compétences aussi sur les sujets qui sont présentes. Donc si je prends ce format sur la base du volontariat, finalement on va s'apercevoir qu'on aura toujours aussi les mêmes profils. Et ce qui est intéressant sur la base du tirage au sort, s'il est fait de manière à tirer au sort des personnes selon le genre, selon l'âge, selon la catégorie socio-professionnelle, selon l'origine culturelle, eh bien, on va pouvoir avoir une représentativité de la population. Voilà. Donc, oui, pour moi, ça devrait être plus utilisé à différentes échelles, je dirais à l'échelle à la fois d'une commune, d'un village, d'une ville, d'un quartier, mais aussi à une échelle de décision au niveau départemental, régional et national, comme ça a été fait avec la Convention sur le climat. Si tant est qu'ensuite, effectivement, les propositions qui sont faites sont réellement entendues et appliquées. Alors, je répondrais oui, il faudrait plus de démocratie directe, c'est sûr, mais je dirais qu'avant de proposer pour que ce soit bénéfique et constructif, pour moi, il faut aussi travailler le terreau en amont. Et ça veut dire que pour favoriser l'implication des citoyens, des citoyennes sur ces sujets politiques, il faut penser en amont la montée en compétence de ces citoyens, ces citoyennes sur ces sujets.
c'est finalement travailler le processus d'inclusion dans les débats, dans les discussions, pour qu'ils puissent être force de proposition et de contribution. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut les accompagner pour qu'elles se sentent légitimes, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on ne se sent pas en compétence, si on dit bah non, moi de toute façon, je ne suis pas en capacité de débattre, etc., bah, finalement on n'aura pas les personnes. Et du coup, il faut vraiment travailler stéro, c'est-à-dire que ça va se travailler dès le plus jeune âge, en fait, finalement. C'est apprendre à dialoguer, apprendre à débattre, se sentir légitime, monter en compétence. Finalement, la démarche et la démocratie participative, ça devrait être quelque chose qui sera enseigné dès l'école. Voilà. En amont, dès qu'on est petit, et développer l'esprit critique pour pouvoir justement être force de proposition. Et c'est pas finalement ce à quoi on est éduqué dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est une chose, travailler le terreau en amont pour permettre que lorsqu'on a justement ces espaces de concertation et de consultation, les gens soient en capacité de prendre la parole et d'être force de proposition. Et ensuite, une fois qu'on a créé ces espaces de consultation, finalement, on va créer des mini-collectifs. Si je prends la convention citoyenne, on a eu 150 personnes. La convention en Occitanie, on a eu une centaine de personnes qui ont été rassemblées et qui ont été force de proposition. C'est pas suffisant, en fait. On peut les rassembler, mais il faut aussi, lors de la création de ces collectifs, travailler à la gouvernance et permettre justement de mettre en place un processus de fonctionnement qui permettra aussi l'écoute active, le débat et la co-construction de propositions. Parce que sinon, on va se retrouver aussi, même si on a fait un tirage au sort par catégorie, on va se retrouver avec des personnes qui peuvent être plus capables de prendre la parole, qui ont ce qu'on appelle un peu des lions en éducation populaire, c'est des personnes qui savent prendre la parole, qui vont, qui débattent. Et du coup, si on ne met pas un processus de fonctionnement et une gouvernance aussi, je vais dire partagée, mais en tout cas un fonctionnement d'écoute, etc., ben on va retrouver les mêmes biais. Finalement, c'est réapprendre à coopérer, changer un peu de posture, être à l'écoute, ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans « ok, j'écoute, j'accueille ce que tu es en train de dire, je vois ce que ça fait en moi, et ensuite, ben, je vais essayer d'être... soit d'argumenter ou soit d'aller plus loin dans le débat pour justement être force de proposition et penser quelque chose de collectif. Voilà. Donc pour moi, ça s'apprend aussi dès le plus jeune âge parce que c'est pas que de l'enseignement, c'est pas dire uniquement on aura 2 heures de cours par semaine là-dessus, mais c'est comment on le vit, comment on l'incarne. Et donc dans les écoles dans lesquelles on va éduquer nos enfants, c'est aussi adopter ce mode de fonctionnement. Voilà. Donc, c'est intégrer aussi l'élève dans le fonctionnement de l'école. Il y a des écoles qui le font, il y a des écoles qui enseignent à la pédagogie de la coopération. Et ça, je pense que c'est hyper important et ça permettra justement plus tard d'avoir des espaces de consultation et de concertation où tout le monde se sent légitime et sera force de proposition. Aux citoyens et citoyennes d'Occitanie, c'est que cette proposition de convention citoyenne en Occitanie, c'est un bon début pour moi, dont il faut s'emparer. Et du coup, ça tient qu'à chacun et chacune de nous, parce que j'habite en Occitanie, de reprendre notre pouvoir d'agir. Et c'est donc en participant qu'on va pouvoir, chacun de nous, faire notre part, mais pas uniquement d'un point de vue individuel, mais en se mettant ensemble au service d'une cause qui est plus grande que nous. Et qui finalement, comme on fait partie, on est tous interconnectés, on fait partie d'un même système, donc en allant voter, en allant contribuer, ben on va contribuer à changer ce système qui, à certains endroits, ne nous convient pas et n'est pas adéquate. Donc j'invite tous les habitants et les habitantes d'Occitanie à aller voter et à participer à cette convention citoyenne.